vous parler d'intégration continue. Donc aujourd'hui, à chaque fois que vous publiez une nouvelle version d'un module sur CPAN, vous avez les CPAN testeurs qui vont vous faire des rapports. Donc ça, on en a parlé dans certaines présentations. Mais ça, ça se passe que quand vous faites une release. Tandis que l'intégration continue, la différence, c'est chaque fois que vous committez une modif d'un fichier, le système va rebuilder votre module et rejouer tous les tests. Donc c'est ça l'intégration continue. Donc il y a un service qui existe qui s'appelle Trevis. Donc, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser et mettre en route. Donc quand on veut faire du Perl, ce qui permet de faire toutes sortes de langages. Donc en fait, c'est un peu une contrainte, c'est que ça marche, il faut forcément que votre source soit sur GitHub. Comment ça marche pas? Parce qu'en fait, ça marche comme le hook sur GitHub. Après, derrière, ça tourne dans des VM qui sont sous Ubuntu. Donc ça va vous tester, mais que sur des Ubuntu. Et bon, par contre, au niveau de Perl, ce qui est intéressant, c'est que les Perl sont bien supportés par Trevis. C'est-à-dire qu'ils intègrent, tout est fait pour bien intégrer Perl avec Perl Go. Si vous avez besoin de dépendance, vous allez aller chercher avec CPAN Menu. S'ils ont un miroir CPAN local, donc ça ne prend pas trop de temps pour aller chercher les dépendances. Et en fait, il va interpréter votre makefile.pl ou build.pl. Automatiquement, il va servir cela comme point d'entrée pour savoir ce qu'il y a à faire. On peut faire aussi des builds à partir d'un listing. Ouais, mais ça peut être plus que dans le projet. Voilà, c'est le basique. Je vais vous montrer à quel point, si vous êtes sur GitHub, il faut vraiment en profiter parce que ça coûte rien de profiter de cette infrastructure. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est il suffit de poser un fichier qui s'appelle trevis.yaml. Avec ça dedans, donc il suffit de dire langage Perl. Et là, automatiquement, il va builder sur ces quatre versions de Perl. Il y en a 5.8 ne supporte pas, enfin ils n'ont jamais supporté, et 5.18 par contre c'est toujours pas, ils n'ont toujours pas ajouté. Par contre, automatiquement, rien qu'avec ça, ça va builder votre module sur les dernières versions de chacune de ces versions majeures. Donc il suffit de mettre ce fichier-là dans votre archive à la racine, c'est pas très compliqué. Bon après si c'est des besoins plus compliqués, ça peut devenir compliqué, mais de base c'est ça. Et après, au niveau de GitHub, il suffit d'aller enregistrer le hook de Trevis, on clique, et puis voilà. J'ai mis 2-3 liens sur la doc, qui supporte plein d'autres langages. Enfin, je pense que c'est vraiment utile, ça coûte pas cher, et c'est autant en profiter. Quoi. Une chose importante aussi, c'est quand on fait une intégration continue, on aime bien avoir des choses comme ça, des voyants. Donc là, c'est voyant vert, ça passe. Et quand c'est cassé, ça devient un voyant rouge. Et en fait, c'est pour être prévenu au plus tôt qu'il y a un problème. Parce que quand vous ne travaillez pas tout seul, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a committé quelque chose qui casse. Le but, c'est de le voir le plus tôt possible pour aller réparer le plus tôt possible. Et donc, ça s'appelle... Ça vient des méthodes Lean et Toyota, donc ça s'appelle en japonais un Anden, un voyant. Enfin, voilà, j'ai fini.